À toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2022. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé à l'endroit hostilité, moyen de défense, énergie agressive. Alors hier, c'était porte vers la spiritualité à l'envers et aujourd'hui hostilité. On peut voir sur la carte, c'est un bel homme, hein? Je n'en disconviens pas, mais c'est un homme qui est prêt à se battre, qui dresse son épée, n'est-ce pas? Et bien, cette carte, elle indique une situation pour certains d'entre vous où vous serez bientôt victime ou peut-être que vous êtes déjà victime d'hostilité. Alors l'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle, n'est-ce pas? Et par exemple, une personne dans votre entourage, eh bien, pourrait se montrer extrêmement critique, extrêmement exigeante, extrêmement blessante. Et ça peut être au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, ça peut être dans vos amis, ça peut être dans un milieu social, une situation sociale. Eh bien, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Alors faites attention à votre entourage. Si maintenant vous ne l'avez pas encore vécu, eh bien là on vous prévient. Et puis si vous l'avez vécu, eh bien là, faut faire vraiment un lâcher prise. Hein. Alors cette carte, elle est différente que la carte de la tromperie dans l'oracle, parce que l'énergie hostile est plus apparente. C'est pour ça que vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Et qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, n'est-ce pas? Eh bien, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, eh bien, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Ne l'oubliez jamais, on reflète ce qu'on est, on attire à soi ce qu'on est. Et c'est vrai qu'une personne qui manque de respect avec vous et que vous la laissez, eh bien, l'univers, il voit, on va lui envoyer d'autres personnes. Donc, il faut réagir, mais calmement, posément, vraiment. Vous devez avoir le courage, n'est-ce pas, de vous défendre à tout moment, en tout temps. Mais on ne vous demande pas de taper sur la table. On ne vous demande pas de vous défendre agressivement, verbalement. Soyez toujours loyal. Posez-vous toujours ces questions avant de sortir quelque chose. Est-ce que tu aimerais qu'on dise ça, qu'on te dise ça? Si maintenant vous commencez à dire des noms d'oiseaux, posez-vous la question. Est-ce que j'aimerais qu'on m'insulte avec des noms d'oiseaux? Non. Donc ne le faites pas, soyez loyal et restez loyal comme vous aimez qu'on le soit avec vous. C'est important.
C'est pas parce que il y en a qui disent des gros mots que vous devez dire des gros mots. Ce n'est pas comme ça que on avance dans cette belle spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, et je le redis encore là maintenant, c'est pas une question de croyance, n'est-ce pas? Pour moi, la spiritualité, c'est améliorer nos qualités et nos vertus. Être une personne meilleure de ce qu'on est. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Donc, voilà, on vous demande, n'est-ce pas, d'avoir le courage de vous défendre, mais pas en tapant sur la table, pas avec des gros mots d'oiseau. Voilà, soyez vraiment, ayez une ligne de conduite verbale et certainement pas agressivement au point de vue physique, n'est-ce pas? L'affirmation de ce jour, je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentions. J'exprime aussi ce que j'aimerais, ce que j'attends. C'est important. Waouh, on termine, je trouve qu'on termine cette semaine un peu assez fort, hein, je vais le dire comme ça. Alors, on va terminer là avec un message de ton âme. Ah ben, lâcher prise. Ah ben voilà, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là. Même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Waouh, ça c'est un beau message de ton âme, n'est-ce pas? Eh bien voilà, notre semaine se termine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un joli week-end dans l'amour, la joie, la tolérance, la bienveillance, l'indulgence. Et voilà, l'amour inconditionnel. Et puis on se retrouve, eh bien, pour une prochaine capsule. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Tout bientôt.